Salut tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Ils ont des séparatistes brabançons. Tant pis pour eux. Je sais plus du tout à combien j'en étais là-dessus. Ah ouais, j'en étais à 1000 ans et encore dans la quoi. Eux, ils sont très fâchés. Les autres, ils peuvent pas rejoindre. Très bien. Milan n'est plus dans la Koa. Ça a pas duré. Francfort n'est plus dans la Koa. Gênes a disparu, non? Désormais, ça, c'est à l'Espagne. Ouais. Ah, ils ont encore Chypre. Non, c'est Chypre. Ah, ils ont encore province. Les pauvres. Ah, je peux faire plein 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 de soldats, j'avais pas réalisé. Clèves, j'ai pas besoin de les faire disparaître. Va falloir que je me mette à attaquer Mayence. J'ai besoin de 2 provinces, de 13 et 16 de développement. Ça fait pas mal. Mais il y a plein de voisins. Il y a plein de leurs voisins avec qui j'ai plus d'expansion agressive ou plus beaucoup. Ah, j'en ai encore beaucoup, beaucoup. Sur la Poméranie. Tant qu'ils s'arrêtent pas chez moi, allez-y. Ah, adieu les séparatistes. Gueldroy. Gueldre est encore vivant ou pas? Non. Ah, j'ai cru que ça coûtait 1000. Si ça coûte 100, je pense qu'on peut se permettre. Fanatique réformé. Ah bah le pays va tomber, hein. Là, on a plein de d'hérétiques religieux en Pologne. Pour l'instant, il reste catholique. L'Autriche, elle tient bon aussi, mais elle est complètement occupée par les hérétiques. Et dans le nord de l'Empire, ça, c'est un peu mal fini pour les catholiques. Mais bon, c'est une constante sur le jeu. J'essaye de faire un truc qui ressemble à ce qui s'est vraiment passé en vrai. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de conflits en France, niveau religion. Hainaut m'a insulté. Eux, c'est une ville libre, alors je peux pas leur imposer une unité religieuse. Bon, je pense qu'on va se lancer dans la guerre. Il y avait des rebelles ou pas? Oh, les bohémiens, peut-être un jour. Je vois pas grand chose avec tout le soleil que j'ai. Fanatique protestant. Ils sont protestants, où est le souci? Je peux plus revendiquer Hainaut. C'est pas un. C'est pas un allié qui possède Hainaut par hasard? Bon, peut-être, je sais plus. Oh.
Donc on va attaquer Mayence. La France revendique encore des provinces chez moi. Bonjour vous, et c'est fini. C'est eux, Augsbourg, ouais, je leur ai demandé de lâcher Augsbourg, comme ça si j'attaque Augsbourg, j'aurais plus à me les coltiner. On peut convertir les suivants à Prague. Améliorer nos relations avec un voisin, par exemple le Munster. J'ai beaucoup d'avance. Combien ça va me coûter en quoi si je prends maintenant cette année et tout? Un peu trop de monde. Si j'attends, je peux virer Milan, Brunswick et Venise. Mais ça m'en fera quand même beaucoup. C'est gagné, on va attendre décembre. Enfin janvier plus exactement. Le Munster il vote plus pour moi. On va garantir son indépendance. Toujours à moins 3. Lui il vote pour moi, ça tombe bien. Et il demande même pas à ce que je m'allie à lui, donc c'est bien. Poméranie a rejoint la Coa. Memmingen a rejoint, Augsbourg a rejoint, Ries, Hambourg, Ulm, Geld, Würzburg. Oldenburg, S.
Suisse. Faudrait que j'ai pas la Poméranie, c'est quand même un gros pays. Je peux pas vraiment quand même. Ah, la Suisse doit pouvoir les garder de mon côté. Ah, c'était là-dessus, Hainaut. Ah, Hainaut, c'est une province française. Et le Hainaut, c'est un de mes alliés. Enfin, un de mes soutiens diplomatiques. Là, j'en ai trois, c'est très bien. Ah, ils votent pour eux? Ah oui, ils votent pour eux parce que eux votent pour eux. Magdebourg, il m'aime plus. Clèves, Magdebourg. Lunebourg. Brême. Tout l'empire se vexe contre son empereur. Oh, c'est pas bien. Commedia dell'arte. Ah, ils peuvent pas rejoindre eux. Bah, ils rejoignent pas parce qu'ils m'aiment bien. On va continuer dans cette direction. Il y a des fanatiques protestants. Religion de la province, réformée ou protestant, et l'État est catholique. D'accord. Pourtant, ils ont fait leur indépendance religieuse. À quoi ça servait, si même c'est pour être catholique? Oh, je peux me réallier à la Saxe. Ils ont fini, mais il y a encore des fanatiques réformés, de la noblesse. Enfin, c'est un peu le chaos en Bohême quand même. On est monté au maximum. Wow! Rapporte énormément de points de couverture des grosses provinces. J'ai besoin de l'Alsace, moi. Alors, pour Berg. Bon, on va pas se fâcher avec le Munster. Sachant que le Munster vote pour moi. Bad, il voterait pour moi s'il n'y avait pas de Palatinat. Je pourrais faire disparaître le Palatinat. Comme ça, on n'en parlerait plus. Le problème du fait que je fasse des conquêtes dans le Saint-Empire, c'est qu'il y a moins de princes et du coup ça réduit mes bonus en tant qu'empereur. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Il y a encore 31 états membres, dont 21 qui sont hérétiques. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui sont pas hérétiques. Hop. Neuf provinces qu'on contrôle pas. Il y en a seulement 4 cités libres, il en faudrait plus. Mais.
personne qui a des régimes. Qui a un régime suffisant pour être cité libre. Clève est trop étendue? Non, je crois pas. Vous avez une seule province. Lui, il est indigné et c'est une monarchie, donc ça aide vraiment pas. Ah, eux, c'est déjà une cité libre. Je pourrais libérer face à la Poméranie des cités libres. De Munich s'est converti à la foi protestante. Mince, pas dans le bon sens. Bon, moi en détruisant trois centres religieux, j'ai ralenti la progression des différentes religions. Ravensburg, je les ai convertis et ils sont actuellement en train d'être déconvertis. Du coup, ils sont fâchés à imposer une unité religieuse moins 3. Peut-être que quand je l'impose dans une guerre, ça les fâche pas. C'est uniquement quand j'utilise mon pouvoir d'empereur pour imposer l'union, l'unité religieuse que ça les fâche. Vous, j'ai besoin de vos provinces, enfin une de vos provinces aussi. Donc on va constituer un réseau d'espionnage. Il y en a qui m'aiment vraiment pas. Anhalt pourra se libérer. Magdebourg, il m'aime plus du tout. Alors qu'une époque, il m'aimait. Qu'est-ce qui fait qu'il m'aime plus? Expansion agressive, arena rivale, hérésie. Surtout l'expansion agressive. Oh mince. Je pensais pas que c'était possible ça. Aïe aïe aïe. On est moins nombreux du coup. Sans compter l'Angleterre en fait. Donc, il va falloir qu'on écrase bloc par bloc. Et on va en Sbarch, on les attend un peu. Hop, on va en Sbarch. Oh non, comment on nous a quittés? Heureusement, c'était pas celui qui était avec nous sur le champ de bataille. Ah si, complètement. Qui m'a déclaré la guerre? Augsbourg. Ouais, je vais aller les occuper, on verra si ça les motive. Oh, Palatina, ça coûte tellement cher. Comment ça se fait? Non, il m'explique pas pourquoi il y a le coup. C'est pas une province centre religieux. Peut-être parce qu'ils sont très autonomes.
L'Angleterre a débarqué. Ah, c'est l'occasion de faire libérer des trucs à la Poméranie. Ah mince, oui. Fin du siège, très bien. Allons du côté de nos alliés qui ont débarqué en Poméranie et qui sont en train d'occuper la Bohême. Déjà là, on gagne large. Mais pour l'instant, la guerre a duré pas assez longtemps pour les motiver à partir. La Saxe, elle est dans aucun camp au moins. Ah, mon allié Munster va se faire siéger par contre. Ah mince, on doit faire un sacré détour. Il y a un fort là. Non, il n'y a pas de fort du tout. Trop d'avance, je trouve. Et ça se répand, mais doucement. J'ai deux provinces qu'on la presse à imprimer. Est-ce que c'est envisageable que je la prenne? Non, 2,4% du territoire. Mais j'ai l'impression que l'Autriche, ils l'ont prise. Ah non, c'est parce qu'ils ont des provinces hérétiques. Il y a beaucoup de monde là, les Poméraniens. Non, pourquoi ils font ça? Basse-Lusace est tombé. Une grosse bataille là. Je pense qu'on va la perdre parce qu'ils sont pleins à proximité. Ah, on l'a perdu. Ils vont être complètement occupés. De ce côté-là, ils vont tenter de se libérer. Il va falloir qu'on aille les tuer. Hop, on a écrabouillé l'armée poméranienne. Il va être temps de se rendre là. Vous avez perdu. Est-ce que vous voulez qu'on creuse encore l'écart ou. Allons par là. Niveau troupes, on est à peu près ex aequo maintenant. On va y aller plus doucement déjà. Ensuite, mes alliés. L'Angleterre, ça fait très longtemps, je crois que j'ai pas amélioré les relations. Remontons à 100, ce sera bien. L'Espagne, même pas parce qu'on est rivaux. Les États pontificaux, ils pourraient m'aimer beaucoup plus. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Il y a une bataille.
Allez, rejoignez tous, même moi je vais arriver. Vite l'Angleterre, vite, 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 vite. Ouais, c'est bien. Hop, c'est fini. Voilà. Prochaine étape, là-bas dans le tas. Voilà, ils sont toujours motivés, mais ils n'ont pas de raison de l'être, hein. On a un score de guerre beaucoup plus important qu'eux. Allez, on les écrabouille tellement vite que personne n'aura le temps de les rejoindre. Il y a une autre bataille à côté où l'Angleterre perd. Malheureusement, je pense pas pouvoir les soutenir à temps. Oh, ils se sont séparés. Allons en... Non, en S, pardon. Voilà. Et après, on dit Nassau. Prague a été convertie. Au revoir les Poméraniens. Voilà. On va stationner là pour l'instant. Ah, j'avais une troupe qui restait toute seule. Ah, ils sont fatigués. Voilà, donc j'ai 38 de score de guerre. Alors faut que j'occupe les provinces par contre pour faire libérer, sinon je pourrais réclamer ça ou pas. Ça me mettra encore plus de gens dans la Coa, donc il vaut mieux que je libère des petits états. Bon, on va aviser. Ils vont en Munster, eux. Est-ce qu'ils peuvent occuper Lübeck en fait par exemple? Lübeck, je suis sûr que je peux les libérer et en faire une cité libre. Et j'ai besoin de la province de Lübeck pour former l'Allemagne ou pas? Non, très bien. En revanche, j'ai besoin de cette province de Magdebourg, entre autres. Oh, ils sont un peu nombreux. Trop tard, je suis parti. Ah, ils ont des renforts, j'espère pas à temps. Ah, ils sont repartis en motivé. Allez, l'Autriche, venez avec nous. Ils sont toujours plus nombreux, on va pas y arriver. Ok, tant pis. Repliez-vous, l'Autriche. On a perdu du score de guerre, du coup. Mais on a démontré notre supériorité pour l'instant. Niveau naval, on perd par contre. Il y a la Toscane et la France en guerre d'un côté. Angleterre, Colombie anglaise et Utrecht. Ah, ça aide pas. De ce côté-là, ils usent la Poméranie. J'ai encore plein d'effectifs donc. Il va falloir que je revienne et taper ceux qui sont là. Le Munster est pas trop occupé, donc il peut tenir encore. Mais je sais pas combien de temps. Niveau force en présence, ils seront montés au-dessus.
Il me faudrait un général meilleur aussi. Par exemple lui. Oh non. En Autriche, il y a des révoltes. Juste là, rassemblez-vous là. Styrie. Styrie. Je vais aller en Carniole après. Je pourrais aussi leur sauter dessus tout court. Voilà. Est-ce qu'il reste une armée à Augsbourg? Là, oui. On est en train de siéger la Poméranie, c'est une bonne nouvelle. Des Hainaut. C'est le Brabant qui est en guerre? Ah mais Bad, ni Bad ni Hainaut est dans la Coa donc ça m'arrange pas. Je préférerais qu'il attaque des gars de la Coa. Ils ont lâché la capitale adverse. Eux ils attaquent, ok on les suit. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je pense que c'est les impôts qui valent mieux. Je gagne 4 la pointe. Je gagne beaucoup beaucoup plus d'impôts. Là, il va prendre trop de temps pour arriver les autres. J'espère au moins. Victoire. Du coup, ça a fait bouger les gens même jusque là-haut. Ah, ils sont fatigués. Donc ils accepteraient. Plus au moins 50 de score de guerre. On va pas chercher à prendre tellement d'expansion agressive en plus. Pour l'instant, on peut faire libérer que la Silésie, ça m'arrange pas. J'aimerais pouvoir libérer au moins la province là-haut. On va aller l'occuper. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de sièges à faire, malheureusement. On va pouvoir l'occuper. On est croisés. Venez avec moi les Autrichiens s'il vous plaît. Si c'est nécessaire, sinon d'accord. Ils ont fait un siège chez moi. On recroise des gens. Oh, c'est un peu tard pour s'arrêter. Vite, 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 les autres. Venez, 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 venez. Ah, j'aurais pas dû lancer la bataille avec tant de monde autour. On est tellement plus par contre, on est 100 000 là. Même si jamais ils arrivent à nombreux. Oui, on a gagné, oui, on a gagné. Hop, on les écrase. Ah mais j'étais loin d'avoir tout mon moral. Parfait, 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 parfait. Si je libère la Silésie, par contre, ils vont être amis avec moi, donc je pourrais m'en faire un électeur. Mais ça m'arrangerait d'avoir un truc plus petit à libérer. Je pourrais libérer Nassau, par exemple, facilement. Il suffit que je prenne la province. Ah, ça se bat. Je vais y aller. C'est bon, ils sont suffisamment. Pape anglais.
prenant la libération de Nassau et même beaucoup plus. Et si je prends... Là, je peux pas réclamer pour l'instant. Alors, il y a une dépendance, là, c'est de la guerre. Désolé, mais on va vous laisser se débrouiller, vous êtes tout petit. Ah, mes alliés m'ont prouvé que c'était des alliés de qualité. Bon, là, ils tentent de dessiéger. On va s'accrocher. Hop. J'ai un score de guerre monstrueux. Très très bien. Allez, rejoignez, parfait. Hambourg, ils sont dans la quoi? Oh, je pourrais demander Hambourg sinon. Ils sont très très loin, mais. Ouais, j'avais qu'Angleterre rompue. Oh non, l'Angleterre elle est siégée par l'Espagne. Elle va pas pouvoir nous aider du coup. Et c'est quoi la guerre contre l'Espagne? Attaquant face à l'Espagne dans la guerre de succession portugaise. Mince, l'Espagne va hériter du Portugal. Elle va peut-être réclamer des colonies à l'Angleterre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de colonies. Il y a une Colombie, un Brésil et une Plata. Dont deux qui sont espagnols. Par contre, l'Espagne et le Portugal n'ont pas beaucoup progresser contre le Maroc. Alors, Augsbourg voudrait faire la paix. C'est sur qui ça? Sur Francfort? Ça sert à rien que je fasse un aussi gros réseau d'espionnage. Ah, c'est que j'ai pas réclamé leur province. Pas grave. Je vais lui taper. Non, ils veulent plus. On va se détacher pour être sûr de faire le siège. Comment ça se fait que... D'accord, ils sont pas en guerre contre la Pologne, j'ai eu peur un instant. Là, ils tentent de dessiéger, ils sont nombreux d'ailleurs là-bas. Là, qui veulent m'attaquer, c'est eux. Suivons les Anglais. Je pense que la bataille est à prendre. On va les aider. Voilà, vous dessiégez. On continue? Bien. J'ai pas beaucoup de morale. Mais j'ai le nombre. Que n'ont pas les Polonais. Ah mince, ils ont eu des rebelles. Colonies. En train de perdre pour l'instant. Ah, ils se sont repliés. Ouais, on va vraiment perdre. Hop, j'ai eu Francfort. Je pourrais demander ça et il y aurait Boimkoa contre moi, mais je me dis que ça va diminuer le temps de la trêve. Et qui est-ce que je pourrais libérer d'autre? Juste Nassau. Oh, c'est trop dommage ça. Je pourrais réclamer des vassaux. Réclamer des sous, mais ça paraît trop bête de libérer de réclamer des sous alors que je pourrais libérer plein de gens.
pourrait libérer sur Freeze. À Clèves, ils ont deux provinces en fait. Il y a un fort par contre. Je pourrais libérer le Brandebourg. Si j'occupais leur province. Là, il y a le Brandebourg à libérer. Ouais. On va y aller. On va faire de bonnes relations avec le Danemark. Même s'il a plus ses deux UP, il reste un pays puissant. Brabant, tu as mangé un électeur, j'y crois pas. Il faudrait bien me la rendre. En revanche, je me dis que je pourrais libérer quelqu'un et le nommer électeur. Je suis en guerre contre eux. Je suis en guerre contre eux. Il y en a plein contre qui je suis en guerre, malheureusement. Oh, prenez un général avant de combattre quand même. Oh non, 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 partez les Poméraniens. Ils se jettent sur moi. J'ai eu le temps de gagner la bataille. Allez-y les Polonais, sauvez-nous. Les Autrichiens. Oui, on a gagné. J'ai déclenché une autre bataille alors que j'aurais pas dû. Nous attaquer, on est nombreux. Oh, au cours de la réforme, des explosions de colère visant la religion catholique se produisent dans différents pays d'Europe. Le cas le plus notable est le Beldenstorm aux Pays-Bas. Mais des événements similaires se sont produits en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Écosse, en France et en Livonie. La majorité des attaques furent lancées spontanément par la foule en colère, mais dans certains pays, le gouvernement en était l'instigateur. Je ne vais pas perdre en stabilité, je préfère du prestige. Et de la puissance des missionnaires. J'ai pas envie de prendre Munich, Plissen, Oldenburg et Palatinat du désir de révolte, sinon ils vont se révolter. En toi, ça rapporterait du prestige. Bon, laissons faire, laissons couler. Je suis pas sûr que toi tu sois en mesure de soutenir. Va plutôt là-bas. Là pour l'instant j'ai de quoi faire 25 de score de guerre et je peux pas libérer les pays. Qu'ici il pourrait y avoir quelqu'un. Je pourrais aussi partir du principe que oh là là je prendrai plus de koa parce que je l'aurais fait trop mal. Et donc pour le diminuer suffisamment, je prends plein de provinces et je me colle encore plus de gens dans la koa. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est vrai qu'on les a bien massacrés pour une koa. Une vraie Thuringe, mais ils sont pas mes ennemis. Magdebourg, ce sont mes ennemis. Faudrait Augsbourg par exemple.
Mais là, on aurait même 10 Bark, Brême. Il y aurait Milan, je pense qu'il vaut mieux éviter d'avoir Milan. Je sais pas pourquoi je peux pas libérer le Brandebourg. Alors que j'occupe des territoires qui appartiennent au Brandebourg. Peut-être qu'il faut que je contrôle sa son ancienne capitale ou toutes les provinces. Je peux plus libérer la Silésie alors qu'il me manque une province. Donc je pense qu'il faut contrôler toutes les provinces. Qu'est-ce que la Russie vient faire par là? Elle est en guerre contre le Danemark. Bah, passez, chers messieurs les Russes. Ah non, 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 faut pas qu'ils reprennent Nassau. Ah là, ils refusent. Alors qu'on a 81 de score de guerre. C'est des fous. Bon, faudra qu'on reprenne Nassau. Pour l'instant, on a un gros malus. On va peut-être essayer de libérer la Silésie. Ça fera un pays relativement puissant de mon côté. Je suis au courant de toutes les alliances vu que dans le Saint-Empire, vu que le Saint-Empire est en guerre contre moi. Alors faut que ça tombe par contre. Le Brandebourg est tombé. Non, c'est peut-être pas un bon plan d'attaquer là. On est parti. Sinon, de toute façon, je peux pas réclamer la Silésie. Déjà, les deux provinces, ils veulent pas. Et il y aurait même Milan dans la Coa. Peut-être qu'à la place de Augsbourg, je pourrais prendre Nassau et c'est tout. Je pense que le fait qu'ils soient encore très puissants, même si jamais ils ont un très mauvais score de guerre, ça joue pas en ma faveur. Oups. Venez, venez. Juste mes alliés de préférence. Hop, c'est gagné. Encore du score de guerre. Donc on va aller par là. Ah, je suis à 0 d'effectif, alors que je me méfie. 21 000 hommes de déficit, plus exactement. Ah, c'est de réclamer des provinces qui leur plaît pas. Mais je peux demander ça. C'est vrai que je pourrais demander encore plus en libération, mais faut que j'occupe les provinces pour pouvoir libérer des trucs. Est-ce que je peux faire rétrocéder des provinces? Non.
Par contre, je peux prendre des provinces. En fait, ce qui leur plaît pas, c'est que je mange un état. Et ça, ils veulent bien, par exemple. Bon, il y aurait Milan. C'est pas top. Là, il y aurait pas Milan. De toute façon, j'ai besoin d'avancer vers le nord. Prendre cette province-là, cette province-là. Pourquoi eux, en fait, eux particulièrement, ils veulent pas? Ah, parce que c'est les chefs de la guerre. Donc faire manger un allié, aucun souci. Mais si c'est eux qui se font manger, ouh là là, au crime, au meurtre. Donc là, je vais disparaître deux de leurs alliés, mais pas de souci pour eux. Sinon, je prends celle-là. Je sais pas ce qui vaut le plus la peine. Là, il y aurait Milan. Je pense qu'on va faire en fonction de Milan. Il n'y a pas de gros pays, on est d'accord. Il y a encore la Poméranie. Y aurait l'Alsace, y aurait... Mais je pense que la plupart des gens, là, ils sont déjà dans la Côte, de toute façon. Par contre, ils vont peut-être plus voter pour moi. Voilà, et... Je lâche la Bourgogne. Ou alors, je pourrais demander un vassal de type la Bohème. Bon, il y aurait Milan quand même. Il n'y aurait pas Milan. Et c'est qui ça? Francfort serait assujetti. Non. Francfort, je préfère prendre leur province. Je pense qu'on va faire comme ça. Nassau et Silésie. Voilà. Et vous abandonnez cette alliance avec la Bourgogne. Plus vous ruinez un peu. Nassau m'aime bien. Ils accepteraient même d'être mon vassal, même si ils sont membres du Saint-Empire. On va plutôt leur proposer le titre d'électeur. Mais il faudrait qu'ils votent pour nous. Ils votent pour nous de loin. Et après, on améliore nos relations avec eux. Et c'est largement l'heure d'arrêter l'épisode. Mais bon, on aura fini la guerre. Il y avait un fort à Mayence, c'était une bonne nouvelle. On le garde de préférence. Hop. On va pouvoir convertir. Je sais pas pourquoi Palatine et Francfort coûtent super cher alors que Würzburg coûte pas beaucoup. Non, d'ailleurs, on va pas faire. On va d'abord légitimer la province. Parce que Francfort a plus de développement, mais je veux bien comprendre, mais pas un tel écart. Peut-être qu'ils ont tradition réformée, protestante, protestante. Non, c'est pas l'air d'être à cause de la religion. Je sais pas pourquoi ça coûte si cher. On s'arrête là pour cet épisode. On se retrouve bientôt dans le suivant. Et niveau carte d'Ecoa, Mélan est à 44. Tous ceux qui sont dans l'Empire sont susceptibles d'être en quoi contre moi, sauf mes alliés. Mes alliés, dont je l'espère, la Saxe. Mais je ne l'aime plus, la Saxe. Parce qu'ils ont déshonoré leur alliance, qu'ils ont refusé de combattre à nos côtés. Voilà. Ils exagèrent un peu la Saxe. Ils me poussent autant qu'ils peuvent à décider de les tuer pour leur prendre Thuringe et sa chaîne. Bon, voilà, on se retrouve bientôt dans le prochain épisode.